Eh bon, mes amis turfistes, j'espère que vous allez bien. Donc nous, on se retrouve demain pour le Quintet chez moi à Marseille-Borély. Autant vous dire qu'on voit Quintet, plat, handicap, Marseille-Borély. Vous ne voulez pas jouer, faites un spot. Ah oui, surtout à Marseille, il y a des choses bizarres qui se passent. Donc au total, 16 partants sur les 2100 mètres. Quintet assez difficile, je pense que ça va payer. Donc jouez vos numéros préférés. Moi, quand j'y tiens, petit conseil de jeu. Un, deux spots et basta. Voilà, en attendant... Je pense, même pour mardi, ça va être encore compliqué. Je pense que le meilleur jeu, il faudra attendre mercredi dans le GNT du Croisé-la-Roche. Voilà. Donc nous, c'est parti. On va faire quand même ce pronostic pour le prix Louis Brunet, les amis. Et on va commencer avec mes deux bases. Et je vais essayer de toute façon de mettre dans le pronostic vraiment des chevaux qui adorent Borély, qui connaissent au moins l'hippodrome. Donc mes deux bases, on va mettre ce 8, Dragonnet. Voilà. Lui, par contre, il connaît, hein, parce qu'il a été deuxième l'année dernière de ce Quintet-là, monté par un jockey qui connaît par cœur la région... Voilà, du sud-est, Franck Blondel. Donc il faut savoir que ce Dragonnet, récemment, il a fait 7e à Lyon-Paris, mais au niveau Quintet, à Cagnes-sur-Mer, c'était très bien. Sur la PSF, il faisait 2e, 4e, 6e. C'est un cheval voilà, qui va apprécier, je pense, le terrain annoncé bon. Et comme j'ai dit, l'année dernière, il avait fait 2e de ce Quintet-là à 36 de valeur. C'est la valeur qu'il a, 36, donc je pense que ça peut être déjà la bonne petite base. Ma deuxième base, ben, je vais mettre ce 14, Champ de Mars. Voilà, Champ de Mars, qui vient de nous faire 4e au Fontainebleau. C'est là aussi, c'est un cheval qui adore Marseille-Borély. Faut savoir qu'au niveau Quintet, je crois qu'il y a 3 ans, il avait pris une bonne deuxième place aussi. C'est un cheval au niveau de sa valeur 34,5. C'était là où il gagnait son Quintet à Marseille-Borély, hein, 34,5 de valeur. Parce qu'après, une fois qu'il a gagné ce Quintet, on a vu que c'était très dur. Hein. Il était monté à 38,5. Après, il a augmenté jusqu'à 39,5. On a vu que c'était très très dur, même s'il faisait des 4e, 5e places. Bon, au niveau Quintet, c'était un peu difficile pour lui. Hein. Là, il a vraiment chuté à 34,5. Ben, c'est lors de sa dernière victoire à Marseille-Borély du Quintet, hein. Donc ça peut être un bon signe. Voilà, et ça a dû être aussi peut-être préparé pour l'entourage. Donc voilà mes deux bases, 8 et 14. Mon coup de cœur, ça sera ce 13, Sport Coupé. On fait appel à Christian Dumureau qui se déplace dans le sud-est. Voilà, donc il faut savoir que le cheval Borély, ben, il est chez lui, hein, parce que c'est 3 sur 3 à Borély, dont une victoire. C'était la dernière fois, c'était sur les 2000 mètres à Borély, à Saint-Cloud il fait 6e. Ça sera la première fois au niveau Quintet, hein, 35 de valeur. Mais bon, comme j'ai dit, je pense que déjà la dernière fois il était monté par Franck Blondel quand il gagnait à Marseille-Borély. Bon, là, comme j'ai dit, Christian Dumour au-dessus. Je pense que ça va être une bonne chance ce 13 Sport Coupé. Mais 3 outsiders derrière, on va mettre ce 12 Scénariste. Ça sera monté par Mademoiselle Marie Velon qui connaît par cœur le cheval. Et c'est surtout que quand on regarde ses dernières courses, le cheval, il a bien fait à Marseille-Borély, hein, 2 fois sur les 2600 mètres. Il a fait 2e et 1er. On le retrouve à 35,5 de valeur. Ces 3 courses au niveau Quintet, c'est pas ça. Hein, parce qu'il a fait 11e, 8e et 13e. Voilà. Mais je pense que là, ces 2 dernières courses à Marseille-Borély, vu qu'il a l'aptitude pour ce terrain-là. Certes, il monte un petit peu de catégorie, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Comme je dis à Marseille-Borély, tout peut arriver. Et surtout, bon voilà, Mademoiselle Marie Velon, qui connaît par cœur le cheval, on peut s'attendre à une très belle place. Deuxième outsider, on va aller jouer ce 3, Kauna. Donc Kauna, entraîné par un entraîneur redoutable, François Rouault. Quand il présente ses chevaux dans les Quintets, ça fait souvent mouche. Comme la dernière fois lors de sa victoire à Deauville, où il a gagné un premier. Bon, là, maintenant, il a été pénalisé parce que de 35,5 de valeur, il est passé à 39,5. Voilà, pour les victoires, c'est dur. Pour prendre une 5e place, pourquoi pas. Donc, attention, vu la forme, attention à Kauna. Et troisième outsider, on va prendre... j'ai hésité avec mon regret. Il y a ce 10 qui peut faire une énorme surprise à Bellecote. Et je suis allé vers ce 5 quand même, hein, voilà, le 5, Cléodore. Voilà, donc Cléodore, pareil, hein, qui adore
qu'Adore Borrelli. Il est dans son jardin. Je crois que c'est 6 sur 7, dans 2 victoires. Voilà. Donc c'est vrai que le cheval, pourquoi je ne mets pas vraiment en base? Parce que récemment, si on l'a vu, voilà, dans la PSF. Mais attention, hein, dans un terrain bon, à Bordeaux-Bouscat, il faisait cinquième pour le Grand Prix de Bordeaux. Hein. On retrouvait quand même des très bons chevaux qu'on connaît. Hein. Il y avait du Monti, Pao Alto. Voilà. Donc il battait des chevaux après lui aussi comme Fantastic Spirit ou Vasco Angel. Donc attention à ce cheval-là, comme j'ai dit. Spécialiste de Marseille-Borély, il est chez lui. Sans remonter par Guillaume Mandel. Là aussi, en plus, je crois qu'il a baissé au niveau de la valeur, des kilos. Je crois qu'il perd 3 kilos, donc c'est énorme. Et ça peut être là aussi une très belle chance. J'aurais pu le mettre plus haut, mais bon, voilà. Je préfère le mettre que 6e et de tenter d'autres chevaux devant, hein, d'outsiders. Mais attention à ce 5. Il joue à un domicile. Voilà. Et comme j'ai dit, mon regret, la belle cote, on sait jamais pour une très grosse surprise, c'est ce 10, Wellington Rose. Ça va monter par Marvin Gradin. Entraînement, voilà, Stéphane Labatte, qui connaît très bien l'hippodrome de Marseille-Borély. Donc là aussi, c'est un cheval qui, on va dire, qui joue à domicile. 3 sur 3, dont 2 victoires à Marseille-Borély. Donc autant vous dire que c'est un spécialiste de Marseille-Borély. Ça sera une première fois au niveau quintet. Il va monter quand même un peu de catégorie. Mais voilà, sera à 35,5 de valeur. C'est mon regret parce que. J'ai peur que voilà, 35,5, ça commence à être un peu dur pour lui. Mais bon, ce sera une première au niveau quintet. C'est mon regret parce que à Marseille-Borély, il y a toujours des surprises. Et comme j'ai dit au début de ma vidéo, là j'ai fait vraiment un prono. Voilà, ceux qui adorent Marseille-Borély, hein, que ce soit Dragonnet, Champ de Mars. Après, voilà, j'ai mis Sport Coupé, Scénariste qui adore Borély, Cléodore qui adore Borély. Voilà. Donc attention à ce 10 Within Rose. On va dire que ma sélection de demain, ça s'appellerait presque la sélection Borély. On verra si ça marche ou pas, les amis. Nous, on se retrouve pour le choco du jour. Ben, malheureusement, le choco du jour, on n'a pas pu faire la semaine, hein, le 7 sur 7. On avait joué, il y avait même les deux chocos, même le choco bonus, qui était Armin Fan qui finit 4e à la place, mauvaise place, et Fétiche Chatou au galop. Voilà, s'est mis à la faute, il était bien, voilà, il était aux avant-postes, mais bon. Niveau allure, c'est un peu un cheval comme ça, un peu chaud, hein, délicat. Avec lui, parfois c'est tout ou rien. Et là, cette fois-ci, bon, 25 mètres, je pense qu'il faudra le reprendre la prochaine fois. Mais bon, voilà, ici, au galop, dommage. Donc, ça nous coupe la bonne série. Les amis, c'est comme ça, de toute façon, hein, les séries, hein, on peut pas. Je pense que, voilà, un jour ou l'autre, la série se coupe. Et là, malheureusement, on aurait bien aimé faire le 7 sur 7. Donc, on reste toujours à 11 chocos. Ben, il ne nous en reste plus que 6 pour atteindre. L'objectif, donc on va essayer de tout faire, les amis. Donc attention, je parle bien des chocos. Je parle même pas des chocos bonus parce que sinon là on a dépassé bien sûr les 17 chocos d'objectif. Hein, parce qu'en termes de chocos bonus, on a vu que ce mois on a plus touché les chocos bonus que les chocos. Donc je pense qu'à mon avis, on doit être déjà à plus de 20 ou 25 chocos touchés. Donc voilà. Moi je parle vraiment des chocos Mikaterf. Donc on est à. Ouais, on a eu 11. Donc on va essayer déjà d'aller chercher le 12e. Voilà les amis, moi comme d'habitude, je vous dis bon jeu, bon pronostic, à demain, adieu!